Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà je dédicace cette vidéo à Ispa34 qui avait hâte de voir cette revue sur cette fameuse MH27. Donc vous avez vu, je l'ai comparé avec la M20 Javelot. On n'est pas tout à fait sur le même type de lampe, mais c'était déjà celle que j'avais sous la main. Et je voulais la comparer avec une Olight. Alors il y avait la M22 qui a un peu plus de puissance mais qui a un peu moins de portée. Celle-ci est vraiment faite dans le même esprit que celle-là. C'est vraiment des lampes longue portée, on va dire, qui sont un peu plus facilement transportables que les plus grosses, évidemment. On va faire le tour de cette lampe ensemble. Je vais vous donner mon avis par la suite. Je ferai le montage des vidéos à chaque fois comme ça. C'est pratique parce que si vous avez juste envie de voir un petit peu comment elle envoie, vous avez juste à regarder le début de la vidéo. Et si vous avez envie d'avoir plus de détails et mon avis, si vous intéresse, il suffira de continuer à suivre la vidéo. Allez, on attaque, c'est parti. Voilà donc cette fameuse MH27 de chez Nightcore. Toujours une très belle finition chez eux. Je trouve qu'elle a un look terrible. Une tête évidemment énorme, je vous l'avais comparé sur les photos au départ, je vous la remontre ici avec la Javelot. C'est un gabarit un peu plus gros, surtout au niveau de la tête évidemment, et de la longueur, comme vous pouvez le voir, elle est un tout petit peu plus longue que la Olight. Un interrupteur à l'arrière, ici avec une partie plate qui va nous permettre de positionner la lampe en mode bougie. À l'avant, ici on voit le réflecteur lisse et les trois fameux LED rouge, bleu et vert, on en reparlera tout à l'heure. Une bague de combat type un petit peu satinée. Waouh! Ici, ce qu'on appelle le pouce seringue, ça c'est assez pratique, ça permet aussi d'éviter que la lampe roule sur elle-même. Le bouton, le fameux bouton à l'arrière qui est tactique dans le sens où on peut allumer la lampe sans forcément aller jusqu'au clic. Donc ça peut être évidemment intéressant. Quand on est en pleine nature, etc., qu'on ne veut pas faire de bruit, quand on est militaire, quand on est caché, tout ça. Donc ça peut être assez sympa. Et le bouton ici à l'avant. Alors vous savez que moi je ne suis pas ultra fan. Donc déjà là c'est bien parce qu'il y a le bouton qui va me permettre d'allumer et de retomber sur le dernier éclairage utilisé. Et là ensuite on va avoir cette fameuse double commande ici qui est assez simple à utiliser, vous allez voir. Et de l'autre côté, le fameux. Hop! La fameuse prise USB, donc vous voyez, il suffit de retourner ça simplement sans tirer comme un bourrin dessus, de retourner et de venir le fixer. Évidemment c'est super pratique parce qu'on va avoir juste à trimballer un câble avec soi et on va pouvoir recharger sa lampe avec une prise USB classique ou le chargeur dans son téléphone. Ici on a quand même deux petites parties qui vont me permettre avec le doigt ici de repérer quand même un peu plus facilement ces fameux boutons. Mais c'est vrai qu'en pleine nuit on allume, on a un peu de mal, hop, on vient mettre la main ici et puis on arrive à retrouver avec la réflexion de l'éclairage son bouton. Donc moi j'ai toujours un petit peu de mal avec ces fameux boutons, de les retrouver, surtout que là j'ai le pouce abîmé, donc j'ai un peu moins de sensibilité au niveau du pouce. Mais là encore il y a un petit ergot au-dessus qui permet de pouvoir le ressentir assez facilement, en tout cas à main nue. On va tout de suite voir un petit peu comment fonctionne cette lampe. Alors c'est ultra simple. Donc on a le fameux bouton moins, donc là je suis à fond vers le moins. Et donc là je me retrouve avec le premier éclairage qui est bleu. Alors attention, ça n'est pas un éclairage UV. Par contre ça va y ressembler. Ça veut dire qu'on va quand même. Enfin, ce qui va nous apparaître très clairement, ça va être tous les éléments qui vont être blancs ou un petit peu fluo. C'est vrai qu'en pleine nature ou sur votre moquette, si vous avez simplement un peu de blanc comme ça, vous allez le repérer hyper facilement. Évidemment, c'est aussi utilisé en utilisation chasse pour traquer le gibier et voir un petit peu plus tout ce qui est fluide, etc., les traces de sang pour pouvoir ou alors jouer aux experts chez vous à la maison si vous avez commis un meurtre et que vous voulez nettoyer la scène de crime. Ensuite, on appuie sur le bouton plus. On passe sur le mode vert et ensuite, encore une fois plus, on passe sur le mode rouge. On continue. Hop, là, on va tomber sur le fameux 1 lumens. Alors, je vais prendre la notice, comme ça, je vous annonce aussi les données constructeurs. On nous annonce donc pour le 1 lumens 708 heures. Alors là, ça va, on a le temps de voir venir. Hop, le deuxième mode 55 lumens pour 28 heures d'autonomie.
le 250 lumens pour 6h15 d'autonomie, et enfin le 1000 lumens pour 1h d'autonomie. On est sur 462 mètres au niveau de la portée. On a une fonction qui permet d'accéder directement au rouge, donc en laissant le doigt appuyé sur le moins, hop, on passe directement au rouge. Et ensuite, bah, il suffit de retourner dans les fonctions qu'on souhaite. Et également, si j'appuie sur le plus, on tombe directement sur le mode boost. Donc ça, c'est assez intéressant. Le mode stromboscope, on va appuyer sur les deux boutons en même temps au milieu. Alors ça, c'est pas forcément super simple, je trouve, bizarrement. On va tomber d'abord sur le stromboscope classique. Je vais aller vers le plus une fois. Là, je tombe sur ce qu'on appelle le mode balise. Je rappuie encore une fois sur le plus. Je tombe sur le mode SOS. Je reviens en arrière sur le moins, balise, encore une fois sur le moins, stromboscope classique. Je reviens sur le moins et là je tombe sur le stromboscope de ouf, genre police, il manque juste la sirène, donc bleu et rouge en même temps. New York Police d'état là quand même. Encore une fois sur le moins, je tombe directement sur le stromboscope rouge et encore une fois, je tombe sur le stromboscope bleu. Suffit de rappuyer sur le bouton central, enfin sur les deux interrupteurs en même temps, pour retomber sur le dernier mode utilisé. Donc vous avez vu que c'est assez simple au niveau de l'utilisation. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait pas de cycle complet. C'est-à-dire que quand je suis au bleu, bah, ça y est, je suis bloqué, il faut que je reparte dans l'autre sens. Bon, après, il y a l'accès rapide. Hein, c'est-à-dire, hop, si je veux finalement hop, avoir de la lumière assez rapidement, voilà, c'est un petit jeu à faire. Donc évidemment, plus de fonctions que sur la Olight qui, elle, ne possède que trois modes différents, à savoir 25 lumens, 150 lumens et 820 lumens. Moi, pour moi, ça me suffit amplement. Et ici, on a un stromboscope rapide et on a quand même un pilotage qui est assez simple puisqu'on utilise juste le pouce et l'index. Notez juste, alors je sais pas si ça va bien se voir en vidéo, on est quand même ici sur une peinture qui est relativement mate, pas aussi mate que celle de la Olight, mais voilà, il n'y a pas le côté brillant, un peu bling bling qu'on peut trouver sur certaines lampes. Alors ce qui est assez étonnant aussi au niveau de la notice, c'est qu'on nous annonce, je vais vous parler justement des LED de couleur, le RAID on nous annonce pour 13 lumens 28 heures, 19 lumens 28 heures, 3 lumens 28 heures. Donc ça je comprends pas trop, normalement ça devrait forcément être un peu plus puissant, en sachant que le bleu, j'ai l'impression moi qu'il éclaire plus que le rouge, mais ça peut être une impression. Alors ces fameux LED de couleur, ils sont intéressants pourquoi ? Ils sont intéressants notamment le vert parce qu'il éclaire vraiment extrêmement fort, suffisamment, vous avez pu le voir sur les photos, pour se déplacer, etc., marcher en forêt. Et ça nous permet réellement de garder notre vision nocturne. Vous savez, quand vous allez, votre œil va mettre du temps à s'habituer à la vision nocturne. Et ensuite, si on utilise des lumières classiques blanches, évidemment, on va être ébloui et l'œil va remettre du temps à s'adapter. Donc pour ça, c'est vraiment pas mal. Également pour certaines lectures de cartes, suivant les couleurs, on arrive beaucoup mieux à distinguer ce qui se passe sur la carte. Donc il y a quand même quelques petites fonctionnalités intéressantes avec ça. Notez tout de même que les lumières tachent un petit peu. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, vous l'avez peut-être vu sur la photo, évidemment, comme les LED sont placés de certains côtés. Quand je suis sur le vert, admettons que j'avais utilisé la lampe qui pointait au milieu, quand j'allume le vert sera un petit peu décalé sur la gauche puisqu'il est placé sur la droite. Quand je vais passer au rouge, ça va être le contraire. Donc il va éclairer sur la droite, il est placé à gauche mais il va éclairer sur la droite. Et le bleu par contre sera dans le prolongement lui puisqu'il est juste en dessous de l'interrupteur, donc comme on va la tenir comme ça. Donc ça c'est juste un petit détail et effectivement ça tache un petit peu, vous avez pu le voir sur les photos, puisqu'évidemment on a des espèces de mini réflecteurs à l'intérieur qui vont faire que c'est forcément pas super génial. Mais en tout cas voilà. Quelque chose d'assez intéressant tout de même si on recherche à avoir des LED de couleur sans forcément devoir placer un filtre, on a tout qui est directement dedans. Maintenant, petite chose par rapport à cette marque Nightcore. C'est une marque qui commence à être connue, en tout cas on la connaît depuis pas mal de temps. Moi, j'ai eu souvent, malheureusement, des mauvaises expériences avec les Nightcore au niveau du fonctionnement et ça vient souvent d'un problème électronique.
Pour en avoir parlé, etc., avec beaucoup de monde, il y a beaucoup de retours sur cette marque, notamment sur les P12, sur encore. Alors, toutes les petites lampes, toutes les grosses lampes, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est souvent les lampes intermédiaires où il y a des soucis. Encore sur celle-ci, il n'y a pas très longtemps, puisque je l'ai récupéré chez mon partenaire. Mon partenaire m'avait dit qu'il avait effectivement vendu 3 de ces lampes et il y en a déjà une qui était revenue. Donc on est dans les 30% de retour de cette marque, ce qui est absolument hyper énorme. C'est une des marques où a priori il y a quand même le plus de retours. Alors, peut-être je suis tombé sur des mauvais éléments, je ne sais pas, mais il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi ici, il y a pas mal de monde aussi en métropole, donc c'est super dommage. Alors, peut-être un coup de pas de chance, hein, vous avez peut-être une Nightcore qui fonctionne très bien et j'espère, mais en tout cas, voilà, c'est juste à savoir. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a quand même une garantie de 5 ans dessus, donc c'est pas le souci, mais en tout cas, en termes de fiabilité, chez Olight, on est largement plus fiable pour le moment que pour Nightcore, et je parle pour ma propre expérience en tout cas. Donc voilà une lampe, j'ai à peu près fait le tour dessus, je pense ne rien avoir oublié. On est toujours sur des AQ 18650. Alors moi, j'ai pas pris l'AQ qui était normalement livré dans la boîte, je suis parti sur un AQ traditionnel avec un petit téton. Vous voyez que c'est extrêmement bien fini, de toute façon il n'y a pas de souci à se faire. Là on voit l'interrupteur également qui peut être resserré si besoin, puisque c'est souvent un cas de panne dans beaucoup de lampes, c'est-à-dire force de visser et dévisser, on a cette partie du fond qui se dévisse. Il suffit de prendre des ciseaux et de venir visser ou dévisser suivant le pas de vis. Chez Phoenix, il me semble que c'est un pas de vis inversé, donc il suffit de revisser cette pièce pour avoir un contact qui se fait correctement. Également, éviter de toucher cette partie-là, donc l'arrière des accus, cette partie ici, puisque c'est cette partie qui va faire contact. Il existe également des bombes de contactants électriques qui sont pas mal pour entretenir parfois les lampes, et ça permet d'en faire repartir pas mal. Donc voilà, en tout cas, vous avez vu que la portée, elle est vraiment là. Les 462 mètres, on y est largement. Vous avez pu le voir sur les photos. Il n'y a pas honnêtement, une énorme différence avec les 820 lumens de la Javelot qui pousse aussi hyper loin. On va avoir un peu plus de largeur tout de même avec celle-là, c'est dû à la taille de la tête, c'est normal, mais en tout cas on a vraiment une longue portée, ce qui peut être assez intéressant. Donc qui dit longue portée dit quand même, vous avez vu, un point chaud au centre. Donc effectivement, c'est pour une utilisation un petit peu particulière. Vous avez vu qu'il y a certaines lampes. Je ferai une revue sur un petit peu comment choisir les lampes. On va avoir des lampes qui vont éclairer très très large et d'autres qui vont être un petit peu plus pénétrantes en tout cas. Ce qui peut être intéressant également dans certains environnements, que ce soit de la fumée, etc. ou dans le brouillard. Ça, c'est vrai qu'avec ça, ça pousse assez loin. Juste voir un petit peu ce qui est fourni avec dans le pack. Donc évidemment, un câble standard, hein, micro USB, qu'on peut trouver partout, ça c'est toujours intéressant. On a également des joints de rechange, un interrupteur de rechange, un petit, alors ça c'est pas mal, je vais vous le déballer parce qu'on voit rien du tout, hein. Ce qu'on a, alors ça c'est pas mal du tout, je l'avais pas vu, je vais essayer de l'ouvrir. On a également forcément des joints, etc., mais on va avoir également le capuchon en plus pour l'USB. Donc vous voyez comment c'est fait. Donc si jamais on venait à le casser, on en a un de rechange, ça c'est plutôt intéressant, un interrupteur de rechange, un joint de rechange et un clip ceinture qu'on va pouvoir fixer sur cette partie. Ce qui peut être intéressant également, c'est de le placer ici dans le prolongement des boutons pour pouvoir les retrouver un peu plus facilement. Ça c'est toujours intéressant également. Une petite pochette qui est pas extraordinaire, hein, qui a le mérite d'être là. On est toujours sur du scratch. C'est un petit peu couillon, je trouve, le scratch. Bah, par rapport au bruit, etc., et qu'au bout d'un moment, ça scratch beaucoup moins bien. À une époque, je crois qu'ils avaient fait, je sais plus quelle marque avait fait, mais des boutons pression, enfin semi-pression à aimanter. Je trouve que c'était pas mal du tout. Donc voilà, là, vous voyez qu'elle est ouverte sur le bas. Donc on va pouvoir glisser la lampe. Alors là, c'est... voilà. En dessous, elle va dépasser ici. Donc bon. Étui classique, hein, qui a le mérite. Ici, un anneau acier. Là, du scratch. Et ici, un deuxième passant ceinture ici. Qui est, comme vous voyez, quand même assez grand pour pouvoir le porter sur un ceinturon.
Donc voilà, donc je refais ma petite synthèse par rapport à cette lampe. La fiabilité, je peux pas vraiment vous en parler, j'ai pas encore assez de retours d'expérience. Là, comme je vous l'ai dit, une sur trois est revenue quand même, tout de même, c'est quand même dommage. Et c'est pas la première fois. Le fait qu'on n'ait pas un cycle complet, bah ça voilà, c'est vraiment un détail. Le fait que le bouton il se retrouve plus ou moins facilement. J'aurais aimé éventuellement qu'il y ait un autre palier, éventuellement à 500 lumens, ce qui aurait pu être intéressant. Encore une fois, il n'y a pas, je trouve, une grosse différence entre 250 lumens et 1000 lumens, donc ça serait peut-être à vérifier avec le luxmètre pour voir si réellement on a quand même 250. Moi, il me semble que c'est peut-être un peu plus quand même. Donc voilà, c'est juste le petit détail qui serait éventuellement moins un petit moins pour cette lampe. Mais en tout cas, voilà, grosse portée, grosse puissance, assez facile à manipuler. Voilà. J'espère que j'ai fait le tour. Il y a encore, j'ai encore beaucoup beaucoup de lampes à vous présenter, donc j'essaye de le faire au fur et à mesure. C'est pas évident parce qu'on a on bosse à côté, etc. Donc forcément, on a une famille et compagnie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur des lampes, sur des couteaux, sur un tas d'autres trucs. Allez, ciao, bye bye. C'était Christian Jones. Ouh, bleu, un petit, allez, juste un petit coup de stroboscope à la police. Oui, 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 oui. Ciao.